Tous aujourd'hui, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va voir un aspect cette fois-ci technique, pas du CSS. Je vais vous montrer en fait comment réduire une requête qui a été faite à l'époque, enfin qui était scindée en deux parties. Donc c'est-à-dire que si vous avez vu la précédente vidéo qui était sur du CSS, à un moment donné, j'ai bloqué pour l'ajouter en fait le département parce que la requête n'était pas faite facilement. C'est-à-dire que là, vous voyez en fait, c'est une requête qu'on va exécuter, mais qui n'est vraiment pas parfaite. Parce que je suis obligé en fait de faire une fois que j'arrive dans cette boucle ici, donc une fois que j'ai exécuté la requête au-dessus, je dois venir récupérer en plus en disant bah il faut que je vienne récupérer des informations pour l'utilisateur. Alors qu'en fait finalement ça ne sert strictement à rien. Parce que rappelez-vous, toutes les demandes, c'est soit vers une personne, soit vers l'autre personne. Sachant que vous, toutes vos informations, vous les avez, en toute logique, vu qu'elles sont dans votre session. Donc tout ça, on n'en aura plus besoin. Donc on va revoir une requête avec un petit peu de choses, on va dire, de jointures. Donc si vous n'êtes pas fan de jointures, bah voilà, ça va être peut-être une première occasion de commencer à faire la jointure. Donc je vous montre, voilà, je vais la remettre correctement. Donc moi je suis l'idée numéro 6 dans ma base de données. Statut numéro 1 correspond à en fait une demande d'amis. Je réactualise. En actualisant, vous voyez que j'ai toutes les informations qui sont ici. Nom, département, ville, idée, etc. Donc je récupère toutes les informations de mon utilisateur, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on souhaite récupérer toutes les informations de l'utilisateur. C'est-à-dire que lorsque j'ai une demande de cet utilisateur-là, test 1. Donc là, je récupère en fait 25 ans, qui est peut-être pas 20, les 25 ans du test 1. Parce que cette personne, alors on va aller voir si quand même elle avait 25 ans ou pas. Bon, elle avait 25 ans, donc je ne sais pas si c'est la même date de la même année, on va voir quand même. Je vais voir le contenu pour test 1. Voilà, je vais changer complètement. On va pas mettre 95, on va mettre 90 par exemple. Voilà, je réactualise. Voilà. On est bien sur test 1, j'étais test 1 ici, 90, et j'avais dit qu'on était bon. Alors peut-être que j'ai fait une bêtise aussi ici, que j'ai déjà, je lis pas correctement déjà les bonnes informations. Donc si je lis pas déjà les bonnes informations, ça c'est vrai que ça ne va pas le faire. Donc on est bien sûr. Ah oui, mais non, je sais pourquoi. C'est parce que la personne forcément avec qui je me suis connecté, tout a chargé dans sa session. Donc forcément, j'avais chargé aussi certainement. Voilà, dans sa session, son âge. Comme ça que je venais récupérer facilement. Donc vous voyez, 30 ans. Je réactualise, là j'ai 30 ans. Donc c'est-à-dire que je viens bien récupérer la bonne information parce que ici, info request s'appelle dedans IR. Et je viens chercher les informations que j'appelle après IP. Donc qui sont ici. C'est-à-dire que si je mets ici IR, si je mets ici IR, donc là, je vais quand même pouvoir décommenter cette fois-ci, vu que là, j'ai cette fois-ci les informations. Là, je vais mettre encore hier. Je vais mettre partout hier, hein, vu que l'objectif, de toute façon, c'est de mettre hier. 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 Voilà. Et encore ici. Hier. Donc, je pense que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Je me retrouve avec complètement ma fiche. Donc, vous voyez qu'au final, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on se met ici, donc là je vais voilà, tout enlever, voilà, juste pour avoir ça. On se met ici, sur notre requête, et au lieu de partir sur l'utilisateur, parce qu'en fait j'ai le numéro 6, on va partir directement sur les relations. Donc je vais vous montrer. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un select. Pour le moment, étoile. From relation, que je vais nommer R. Donc là je vais mettre R point. R. R point ID tout égale à 6. Donc idée tout, rappelez-vous, c'est toutes les demandes que je vais moi recevoir. Mon idée égale au 6. J'ai bien actuellement deux demandes. J'ai une demande avec un statut. Enfin, en fait, voilà, j'ai une demande avec une vraie demande et une demande où je suis déjà mis avec une personne. Donc, on va venir filtrer nr.statut égale 1. J'ai bien effectivement qu'une demande. Tout va bien. Ensuite, vous allez faire un inert user u. On u.id, alors je sais pas ce qu'il a fait, u.id est égal à r.id from. Donc from en fait c'est la personne vers laquelle entre guillemets
on va s'adresser. Donc c'est-à-dire que si je fais U point étoile, je vais avoir toutes les informations sur enfin sur l'autre personne, c'est-à-dire pas moi. Alors hop, si je vais pas jusqu'au bout, ça le fait pas. Donc là, il y a une petite erreur. Alors, user u.id égale r.id from. Donc lui, il me dit. Hop, 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 hop. Alors, attendez, je regarde inert joint. Ça ira largement mieux s'il y a ça. Voilà. Et là, je récupère le GUID de la personne, le nom de la personne, enfin, tout le reste, en fait, toutes ces informations. C'est ce que moi, je souhaitais aussi. Donc, c'est-à-dire que je vais tout récupérer d'un seul coup, ces informations. Ensuite, je vais récupérer left John département avec forcément maintenant le U. Donc, c'est-à-dire que c'est bien le département de la personne. Donc, le département était le numéro 13. Donc, Marseille, on va bien récupérer Marseille. Donc, si je vérifie maintenant, donc bien sûr, je n'ai pas mis ici, mais je vais mettre là. Voilà, à la fin, je récupère bien les Bouches-du-Rhône. Enfin, ouais, Bouches-du-Rhône, mais si sa ville était Marseille, c'était Marseille. Voilà. Et dedans, donc cette requête, enfin, toute cette jointure, donc vous voyez en fait, j'ai fait comment ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que je pars d'une table, relation, qui contient que des idées. En fait, c'est des idées de vos utilisateurs, donc ID1, ID, machin. Donc, c'est-à-dire que je ne mets pas les pseudos pour dire merde, voilà, etc. C'est vraiment, je travaille avec les idées qui, eux, pointent correctement sur chaque utilisateur. ID tout, rappelez-vous, c'est moi, c'est le destinataire. From, c'est la personne qui a fait la demande. Donc je récupère toutes les informations ensuite de cette personne, où je fais une jointure vers utilisateur. Et en faisant cette jointure vers utilisateur, eh ben, j'arrive à récupérer toutes les informations. Donc là, copier-coller. Ici, bah, en fait, on n'en a plus besoin. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Ça sert à rien, donc on va pas le garder. Je monte tout en haut, je viens ici, je viens coller. Là, forcément, il faut que ça soit dynamique. Ouais, sans ça, donc point d'interrogation. Je reviens ici, je rafraîchis et je te retrouve d'un seul coup. Bouches-du-Rhône, test 1, 30. Donc voilà, je récupère toutes les informations du coup du profil avec cette fois-ci une seule et unique requête. C'est-à-dire que j'ai fait quand même l'économie enfin voilà, de faire qu'il y avait une deuxième requête. Donc j'économise tout ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ben voilà, comme vous voyez ici, je viens récupérer savoir si cette personne est en ligne ou pas. Et ben je viens récupérer quand même ces informations qui font que bah, ça fait quand même beaucoup de choses. Parce que bah ça, voilà, je récupère bien cette fois-ci toutes les informations correctement. Et vous voyez, en ayant fait ça, je n'ai aucun problème. Donc voilà, donc ça pareil, le compteur, je le vire, ça sert strictement à rien. Ce qu'on va faire aussi, c'est pareil. On va forcer la demande ici pour voir le message. Vous avez bien aucune demande lorsque il n'y a aucune demande. Ok, donc vous voyez. Tout est fait, on a cette fois-ci fait, donc c'est très rapide, c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les jointures, je vous réexplique rapidement, c'est-à-dire que la première je partais de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'ici j'étais sur l'utilisateur, alors je refais correctement, donc je partais de mon utilisateur directement, donc forcément lorsque je mets u.id égale à 6, bah, c'est moi, donc je récupère mes informations et je construisais tout autour de ça, là cette fois-ci c'est je pars de moi sur une table, voilà, sur la table des relations, j'ai un autre idée et c'est sur cette autre idée-là que je viens structurer toutes les informations. Et au départ, je pars bien de moi. Donc c'est-à-dire que je pars de moi pour trouver les autres. Voilà. Donc on a réussi. Donc sur ce, si vous avez aimé bah, cette vidéo, n'hésitez pas à bah, la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur le commentaire. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo afin de personnaliser cette fois-ci notre messagerie. C'est-à-dire que bah, la messagerie, vous voyez ici, on avait fait un petit peu de style CSS, et ben on va venir ici vraiment faire quelque chose
d'assez propre au niveau du CSS, c'est-à-dire une petite photo, ça, on va voilà, venir correctement mieux le remettre en forme, bien sûr. Et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!